Amiral François Dupont, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, et nous parler de mer et marine et des valeurs de la marine? Écoutez, je suis amiral, comme vous venez de le dire. J'ai passé 40 années dans la marine, et je suis essentiellement sous-marinier. Donc on ne passe pas 40 années dans la marine sans être très attaché à la mer. Je n'ai pas fait une carrière à bord des sous-marins ni en mer, et ensuite j'ai eu une carrière professionnelle internationale, une carrière au cabinet, donc j'ai connu pas mal de mondes différents. Et il est vrai que la mer reste pour moi toujours une référence. Et j'ai connu, après ces 40 ans de marine, 5 ans aussi dans une entreprise de droit privé, donc j'ai pu comparer les valeurs ici et les valeurs là. Je suis très honoré et très heureux d'animer cette table ronde avec Siméon Morose et Eric Barros. L'ouvrage qui a été écrit est un ouvrage extrêmement riche. Je l'ai relu plusieurs fois avant de venir aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, il est intéressant de comparer les valeurs qui sont mises en avant par la marine, et peut-être sans doute plus généralement d'ailleurs par les armées, avec les valeurs dont nous avons besoin aujourd'hui. Et ce qui me frappe, c'est que cet ouvrage a été fait avant le 7 janvier, et qu'au fond, il prend encore beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de résonance après ce 7 janvier. Et sans doute, certaines valeurs, certaines vertus, certaines références qui manquent aujourd'hui dans notre société, qui manquent aussi dans le monde politique, dans la façon d'être, eh bien, elles seraient bien inspirées de s'inspirer justement de ces valeurs de la marine. Ce qui ne veut pas dire que les valeurs de la marine, les valeurs des armées sont universelles et que c'est les seules qui sont valables. Simplement, il y a là-dedans, et pour en prendre qu'une, le sens du bien commun, qui me semble extrêmement partagé dans la marine, parce que sur un bateau, si vous n'avez pas le sens du bien commun, c'est la mer qui tient. Voilà, donc beaucoup de choses à dire, extrêmement intéressantes, et je suis très heureux d'être là.